voilà, il est pas loin de 7h du matin. Le jour va pas tarder à se lever. Je suis à nouveau de retour au Mont-Saint-Michel. Et là, pour le coup, je me suis installé pour un lever de soleil. Juste au niveau du pont, je viens de faire une première pause longue, voilà, avec le bus qui passe. C'est un cadrage que j'affectionne ici. Le seul truc, c'est que vu que là, je suis sur le pont, et grosso modo, il y a des micro-vibrations. La structure, elle bouge, voilà, notamment lorsqu'une voiture passe ou un bus passe, ce qui a été le cas. J'ai fait une première photo. Je sais pas, au moment où je vous parle, si elle est parfaitement nette, parce que j'ai fait une mise au point dans le noir absolu. C'est pas évident, voilà. Mais je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur l'écran de l'appareil, je pense qu'il y a des vibrations, parce que j'ai cru voir que les lumières du bus, voilà, faisaient des espèces de micro-vagues. Voilà. On découvre ça ensemble. Ça va être la toute première photo de la journée. On va dire que c'est la photo de chauffe. Voilà, c'est celle qui me sert de base à ensuite construire dans ma tête le reste des images lorsque je sais pas du tout ce que le climat va donner, ce que le ciel va donner. Donc voilà, je vous fais découvrir ça. Et après ça, on continue avec le lever de soleil sur le Mont-Saint-Michel. Alors là, pour le coup, on a une très très belle lumière bleue, tout simplement. Et ça c'est vraiment top. Voilà, donc certainement une image très douce, très pastel. Je vais voir si le bus arrive ou pas, mais en tout cas, ce qui est plutôt agréable, c'est voilà, c'est cette grande courbe, de jouer avec cette grande courbe dans la composition. Et là, pour le coup, la mairie est assez haute et assez forte dans le sens où elle a bien recouvert les prés salés. Elle est même encore en train de monter. Donc voilà, on a toute l'étendue d'eau qui s'est mise juste autour. Alors, je pensais au départ avoir l'occasion justement de descendre pour faire ces photos du matin, mais pour le coup, non, je suis pas équipé pour aller dans l'eau. Et de toute façon, le problème, c'est qu'il y a des trous, des aspérités qui sont pas visibles. Donc ça pourrait être assez dangereux. Voilà, donc là, pour le coup, mon choix du pont, c'est peut-être quand même le meilleur choix. Et donc je suis bien content. Hop, je vais arrêter ma pause. Je suis à peu près à 80 secondes de pause. Elle est légèrement trop claire. Je vais la refaire. Hop, toc. Je vais rester à 80 secondes, mais par contre, hop. Je vais juste changer mes ISO, voilà, parce qu'en fait j'étais à 200 ISO, donc beaucoup trop sensible en fait, mais vu que je veux garder le même temps d'exposition pour avoir à peu près la même impression de lissage du ciel et des nuages, je préfère conserver le même temps et en fait tout simplement donc jouer sur mes ISO pour compenser. Problématique majeure, c'est les vibrations et grosso modo que ce soit une voiture qui passe, ce qui est déjà pas mal, mais surtout accessoirement aussi c'est les gens qui marchent sur les lattes en bois, et ça c'est pas génial. Et là, pour information,
histoire d'avoir une image parfaitement, parfaitement nette du début jusqu'à la fin. Un petit peu de focus taking, je vous avais expliqué ça dans un précédent vlog, donc je vais pas revenir dessus. Si vous ne l'avez pas vu, et bah, c'est l'occasion d'aller découvrir les autres vlogs que j'ai pu faire précédemment. Et c'est aussi un vlog sur le Mont-Saint-Michel. Alors je me suis un petit peu avancé sur le pont tout à l'heure, j'étais quasiment à l'entrée, là où il y a à peu près toutes les personnes. Maintenant je me suis avancé tout simplement parce que je savais qu'il y avait tout simplement une petite étendue d'eau qui est généralement plus calme que le reste, qui subit un petit peu plus la marée, le vent et donc le flux et le reflux. Et ce qui veut dire que cette partie-là, elle est généralement très calme et elle permet justement de jouer avec le reflet du Mont-Saint-Michel et d'incorporer la courbe. Et ça, c'est bon à savoir. Trouver cette réflexion, c'est à peu près au milieu du pont. Et ça, c'est juste bien. Par contre, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc il faut que la marée soit assez haute, tout simplement. J'ai enchaîné les vues horizontales. Je vais faire une petite vue verticale. Et je vous montre tout ça pour voir ce que ça donne.